Hop, ce pied, il a marqué quoi? Une grosse patate, une ogive, une grosse Bertha, une mine. C'est quoi? Comment t'appellerais ça là, ce que tu nous as mis ce week-end? Non, je dirais une bonne frappe à la Flo Mollet. Voilà, après j'ai un peu de réussite, puisque on voit bien qu'elle dévie un peu. Je pense que si je la retourne 10 fois, je pense qu'elle peut partir 8 ou 9 fois très loin à côté du but. Mais après tant mieux pour moi, ça m'a réussi. Et le plus important, c'est que ça réussisse à l'équipe et que ça amène surtout des points à l'équipe. C'est le plus important. Ce petit effet là qui a fait la différence au niveau du gardien, tu penses qu'il a fait que déjà bah, elle était forte, mais en plus à la fin elle a un peu tourné comme ouais, ça. Ouais, je pense qu'il a été un peu surpris de la trajectoire. Après on voit bien qu'il a vraiment été surpris parce qu'il peut il reste fixe et il bouge pas. Après c'est surtout le défenseur qui me laisse une porte, il a un peu la porte ouverte pour déclencher ma frappe et après je me suis pas posé de questions, j'ai tenté ma chance et de toute façon il faut tenter des choses pour provoquer la réussite. Je pense qu'Elias était un peu jaloux de ce but, lui qui est adepte des belles frappes aussi, il a mis un beau but, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, j'avais vu que l'année dernière, il mettait déjà des sacrés buts aussi en dehors de la surface en pleine lucarne. Donc je ne sais pas si on peut dire que le mien est plus beau parce qu'il en a mis aussi des très jolis. Après il m'a aussi un sacré but parce que déjà pied droit, il met une belle frappe sur le gardien. Puis quand elle revient, elle n'est pas facile à prendre pied gauche. Donc je pense qu'aussi au niveau de technique de frappe, ce qu'il réalise, c'est plutôt pas mal. Donc on est content pour lui et c'est surtout ce but qui nous permet de gagner. Donc tant mieux. Ouais, il faudra essayer de remettre une belle mine comme ça à la Mosson pour enfiévrer un peu la butte, ce serait idéal quoi. Ouais, bah c'est vrai que c'est dommage que ça n'a pas été devant les supporters et à la Mosson, mais j'espère que ça se renouvellera et en tout cas au-delà de la situation personnelle, c'est surtout très content de ce qu'on a pu produire ce week-end et j'espère qu'on fera ça à tous les matchs ou quasiment à tous les matchs.